Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, c'est Miss Bambi, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va réaliser ensemble le défi d'éliminer Rapace, Zénith ou Cœur Noir. Il faudra en faire un des trois, mais pour le coup je vais vous montrer les trois emplacements pour ceux qui ne voient pas qui sont ces personnages ou alors où ils se trouvent sur la map. Eh bien cette vidéo va être très complète et très utile pour vous pour réaliser le défi qui, je le rappelle, vous rapportera 24 000 d'XP. Ce n'est pas négligeable, il faut le faire absolument pour augmenter ses niveaux avant la fin de la saison. On a encore le temps, mais passons au reste de la vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà encore fait pour être au courant de toute l'actualité de Fortnite, à liker, à partager et à commenter. Je compte sur vous et je réponds à tout le monde. On n'oublie pas le code créateur Miss-Bambi dans la boutique qui fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui veulent me soutenir davantage, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement. Je pense avoir tout dit, on peut passer à la suite de la vidéo. Bon visionnage à tous. On va donc commencer par le PNJ Cœur Noir, donc le pirate. Il se trouve tout près de Holy Edge, donc dans le bâtiment avec le bateau. Vous allez voir justement, et il va falloir justement l'éliminer. Pour le coup, dès qu'il va vous voir, il va automatiquement vous tirer dessus et vous devrez l'éliminer pour justement remplir le défi. Comme je vous l'ai dit, il en faut un des trois si vous voulez faire Cœur Noir, Rapace ou Zénith. C'est à vous de voir où vous allez vous situer par rapport à la map justement. Donc je vous laisse regarder le gameplay et on passera ensuite à Zénith et Rapace ensuite. Cœur Noir est éliminé et c'est donc là que vous remporterez votre défi si vous avez bien sûr éliminé l'un de ces personnages. Donc bien sûr, on passe ensuite à Zénith et on terminera avec l'emplacement de Rapace. Et donc voilà les amis, vous avez enfin les trois emplacements des trois PNJ différents, dont Rapace, Cœur Noir et Zénith. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà encore fait pour être au courant de toute l'actualité de Fortnite. Likez, partagez, commentez. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus !